Madik sans frontières déjà au TPI de Dixin. Mamadi Kondé, connu sur les réseaux sociaux avec le sobriquet de Madik sans frontières, sera à la barre ce lundi 18 janvier 2021 au tribunal de première instance de Dixin. Arrêté le 27 octobre 2020, ce militant de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, UFDG, est arrivé au tribunal aux environs de 11h. Il est venu habillé en chemise blanche, pantalon et souliers noirs. Le parquet de Dixin le poursuit pour téléchargement, diffusion de messages, photos, dessins de nature raciste ou xénophobe, menaces, violences et injures par le biais d'un système informatique. 16 infractions sont mentionnées dans les articles 26 et 27 de la L 2016-037/28 juillet 2016 relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel. Citoyen guinéo-canadien basé au Canada, Mamadi Kondé est revenu en Guinée à l'occasion de la campagne électorale de la présidentielle du 18 octobre 2020. Aux côtés de Seloud Alain Diallo, le président de l'UFDG, il a sillonné quelques villes de l'intérieur du pays pendant cette campagne avant d'être arrêté 9 jours après la présidentielle.